Jean 8, verset 24. John 8, verse 24. Si tu es un invité, lève la main. If you have been invited, raise your hand. Lève les mains. Raise your hands. OK. Nous sommes ici. We are here. Pour intercéder. To intercede. C'est-à-dire pour prier. That is to pray. Intercéder, c'est prier intensément pour quelqu'un d'autre. Interceding is praying intensely for somebody else. Donc nous prions pour nos familles. So we pray for our families. Nous prions pour nos parents. We pray for our relatives. Les pères, les mères, les frères, les sœurs, les cousins, les beaux-frères, les belles-sœurs, etc. Fathers, mothers, brothers, sisters, the in-laws, etc. Les grandes familles. The large family. On n'exclut personne. We exclude nobody. Dieu veut que nous prions pour nos familles. God wants that we pray for our families. Pour que nos familles soient sauvées. For our families to be saved. Et que nos familles soient bénies. And that our family be blessed. Avec des biens matériels, financiers. With material and financial wealth. La misère vient du diable. Misery is from the devil. Le diable aime les pleurs. The devil likes the weepings. Dieu aime la louange. God loves praise. Quand vous allez aux funérailles. When you go to the funeral. Quand les sorciers et les sorcières pleurent. When the witches and the wizards start crying. Ils pleurent. They cry. Quelques-uns commencent à tomber en transe. And some of them start falling in trance. Et les démons, les esprits de mort commencent à parler. And the spirit of death starts speaking. Après, on va dire que le cercueil a poursuivi les gens. And after they say that the coffin has pursued people. Si tu vas, if you go, tu entends un chant de louange. And you start a song of praise. Tu chantes des cantiques pour Jésus. And you sing hymns for Jesus. Les transes s'arrêtent. And the trances stop. Les esprits de mort s'enfuient. And the spirit of death flee. Et le calme commence à régner. And the place starts being calm. Quand on dit que quelqu'un est mort, on pleure, le diable est content. When they say that somebody is dead and they are weeping, the devil is happy. Quand on dit la personne qui était malade est guérie. When we say that a person who was sick is healed. Quand on chante, on rend grâce à Dieu, le diable s'enfuit. When we sing and give thanks to the Lord, the devil flees. On dit Dieu siège au milieu de la louange. We say that God stands in the midst of praise. Le diable cherche là où il y a le sang. The devil seeks where there is blood. Les meurtres, les viols. Murders and rapes. Quand tu es un violeur, le diable il t'aime. When you are a rapist, the devil loves you. Quand tu es rempli de convoitise, le diable t'aime. When you are full of lust, the devil loves you. Quand tu mens, tu vis du mensonge. When you lie and live out of lie, le diable t'aime. The devil loves you. Il sait que quand il sera dans le lac de feu, he knows that when he is in the lake of fire, tu seras avec lui. You will be with him. Il ne veut pas aller seul. He doesn't want to go alone. C'est une bataille réelle. It's a real battle. Il sait qu'il a déjà perdu. He knows that he has already lost. Mais il ne veut pas aller sans toi. But he doesn't want to go without you. Il ne veut pas aller sans toi. He doesn't want to go without you. Nous autres, we others, quand on nous a parlé de Jésus, when they spoke to us about Jesus, nous avons accepté Jésus. We accepted Jesus. Et le diable s'est éloigné. And the devil got far. Lis Jean 8, verset 24. Read John 8, verse 24. Gloire à Dieu. Jean chapitre 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car
Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Amen. John chapter 8, verse 24. I told you that you will die in your sins. If you do not believe that I am he, you will indeed die in your sins. Amen. Vous avez compris? You heard it. Jésus dit. Jesus says. Jésus dit. Jesus says. Si tu ne crois pas. If you don't believe. Ce qu'il est pour toi. What he is for you. Tu vas mourir dans les péchés. You will die in your sins. Lis à nouveau. Read it again. C'est pourquoi. That's why. Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. I told you vous that allez you... mourir dans vos péchés. I told you that you will die in your sin. Why? Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis. If you don't believe what I am, vous allez mourir dans vos péchés. You will die in your sins. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Who is Jean Jesus? 3, verset 35. Who is Jesus? Who is he for you? John 3, 35. John 3, verse 35. John 6, pardon. 36. Jean 6, 35. John 6, 35. Jean chapitre 6, le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Amen. John chapter 6. Jésus se présente. Écoute bien. Jesus introduces himself. Listen carefully. Oui, anglais. Read English. John chapter 6, verse 35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Amen. Cette parole veut dire que quoi? What does these words mean? Jésus dit qu'il est le pain de vie. Jesus says that he is the bread of life. Il est le pain qui donne la vie. He is the bread that gives life. Il dit si tu manges de ce pain. He says that if you eat of that bread. Tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. You no longer hunger and thirst. Quel est ce pain là? What does it? What is that bread? Qu'est-ce qu'il veut dire? What does it mean? Jésus veut dire. Jesus wants to say. Celui qui croit en moi. The one that believes in me. Aura la vie éternelle. Would have everlasting life. On mange le pain pourquoi? Why do we eat the bread? Parce qu'on veut vivre. Because we want to live. Si tu restes sans nourriture. If you remain there without food. Après un certain temps. After a time. Tu vas commencer à mourir. You will start dying. Si on n'intervient pas. If there's no intervention. Pour te forcer à manger. To compel you to eat. Tu vas partir. You'll go. Tu meurs. You'll die. La nourriture. Food. Fortifie l'homme. Strengthens man. Et prolonge sa vie. C'est comme un remède. And prolong his life. It's like mais le vrai remède. But the real remedy. La vraie nourriture. The genuine food. Qui donne la vraie vie. Or the true life. Ce n'est pas la tchéké, le plakali, les plantains, le manioc. It's not. C'est Jésus-Christ. The placali or the plantain. C'est Jésus-Christ. The cassava. It is Jesus. C'est Jésus-Christ. It is Jesus Christ. Je suis le pain de vie. I am the bread of life. Lis encore ce que Jésus read dit. It again. Jésus parle de lui-même. Jesus is speaking about himself. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jamais faim. Never thirst. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jamais soif. You will never hunger and thirst. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Alléluia. Praise the Lord. Lis Jean chapitre 8, verset 12. Read John chapter 8, verse 12. Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit...
Jésus continue à parler de lui-même. Jesus continued to talk about himself. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. I am the light of the world. Jésus parle de lui-même. Jesus talks about himself. Je suis la lumière du monde. I am the light of the world. Continue. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. John chapter 8, verse 12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Jesus Christ, la lumière du monde, the light of the world, la lumière du monde, the light of the world. Si tu crois en lui, if you believe in him, tu vas marcher dans la lumière, you will walk in the light. Même si les ténèbres veulent venir, even though darkness wants to come, elles n'auront pas de force, they will not have strength, parce que les ténèbres n'ont pas de puissance devant la lumière, because darkness has no power before light. Tous les esprits qui sont dans les ténèbres, all the spirits who are in the darkness, n'auront pas d'autorité sur toi, will not have authority upon you, parce que tu es l'enfant de lumière. Jesus is the light. Tu as cru en Jésus. You have believed in Il Jesus. Il est la lumière. He is the light. Tu crois en lui. You believe in him. Tu ne marches plus dans les ténèbres. You no longer walk in the darkness. Ça veut dire que toi-même tu deviens lumière aussi. It becomes that you yourself become light. Lumière. Light. Il a dit à ses disciples. He taught his disciples. Vous êtes la lumière du monde. You are the light of the world. Si tu donnes la vie à Jésus, you give your life to tu Jesus. Deviens enfant de la lumière. You become a child of the light. Tu deviens lumière toi-même. You become light yourself. Et quand tu es lumière, when you are light, tu as l'autorité sur les ténèbres. You prevail over Jésus darkness. Veut que tu croies cela. Jesus wants you to believe Il dit, that. Si vous ne croyez pas ce que je suis, he says, if you don't believe what I am, Vous n'aurez pas de vie, vous allez mourir dans le péché. You will not have life, you die in your sins. Crois. Believe que Jésus est la lumière du monde. Crois. Believe que si tu lui donnes ta vie, that if you give him your tu life, ne pourras plus marcher dans les ténèbres. You'll no longer walk in darkness. Tu ne pourras plus marcher dans les ténèbres. You'll no longer walk les ténèbres in darkness. Même vont s'éloigner de Even toi. Darkness will get far parce que from tu you es la lumière. Because you are the light. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Acclamons ensemble. Let us clap together. Lis. Read. Jean 10, verset 9. John 10, verse 9. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Amen. Amen. John chapitre 10, verset 9. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pastors. Amen. Oui. Jésus est la porte. Jesus is the gate. Jésus est la porte. Jesus is the gate. Si tu passes par lui, if you enter through him, tu vas arriver au ciel. You will get to heaven. Tu passes par Jésus. You pass through si Jesus. Tu donnes ta vie à Jésus. You give your life to Jesus. Tu auras la nourriture spirituelle tous les jours. You have spiritual food every day. Les gens qui veulent servir Dieu, but the people would like to serve sans God, Jésus, without Jesus, ils passent le temps affamés. They spend their time starving, assoiffés, and thirsting. Ils veulent écouter la parole, il n'y a pas la parole. They want to listen to the word, then there's no word. Quand tu n'as pas Jésus, we don't have Jesus, tu ne peux pas voir la parole. You cannot see the word. Tu n'as pas son esprit. You don't have his spirit. Parce qu'il n'est pas avec toi. Because he's not with you. Si tu passes par Jésus, if you get in through Jesus, tu vas arriver là où il y a de l'eau potable. You will get where there's clean water. Tu vas arriver au vert pâturage. You will get to the green pastures. Pendant ta vie chrétienne sur la terre, during your Christian life on earth, tu seras toujours nourri, bien nourri. You will always be well nourished. Tu vas vivre. You will live. Tu vas vivre. You will live. Les gens ne vont pas te mentir. People will not lie to you. Les gens ne vont pas te mentir. People will not lie to you. Quelqu'un te dira, tu peux comment? Non, tu as donné la vie à Jésus, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer à vivre dans le péché, il n'y a pas de problème. Somebody will tell you that, no, you have given your life to Jesus, you can continue living in sin, there's no problem. Ça, c'est le poison. This is poison. Quand tu donnes ta vie à Jésus, when you give your life to Jesus, il est la porte. He is the gate. Il n'y aura pas de fausse porte. Tu ne vas pas entrer et puis tu tombes entre les mains des brigands. You will not get in and fall within the hands of the robbers. Qui vont commencer à te tromper. Who start deceiving you? Alléluia.
Praise the Lord. Relis, lis à nouveau. Reread it. Je suis la porte. Dis, nous proclamons. Say we proclaim que Jésus-Christ that Jesus est la porte. Is the gate. Continue. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si tu entres par Jésus, if you enter through tu Jesus, seras sauvé. You will be saved. Dis, je, hey, cher invité, dis, je proclame. Dear invitee, say I proclaim. Que Jésus-Christ déclare that Jesus declares que si j'entre par lui, that if I enter through him, je serai sauvé. I'll be saved. Et tu seras sauvé ce soir. And you'll be saved this afternoon. Ici même, ici. Even here. Tu vas entrer par cette porte. You will enter through that gate. Même si tu as souvent fui. Even if you have oftentimes fled, tu fuyais parce que tu ne savais pas. You were fleeing because you didn't know. Aujourd'hui c'est clair. Today is clear. Je reçois le témoignage du Saint-Esprit. I receive the testimony of the Holy Spirit. Qu'il est en train de t'expliquer. That he is explaining you. Pendant que tu écoutes. While you are listening. Tu regrettes même d'avoir perdu le temps. You even regret to have lost time. Alléluia. Si tu passes par Jésus, if you enter through Jesus, tu seras sauvé. You'll be saved. Il est la porte. He is the gate. Tu dis que tu es chrétien. You say that you are a Christian. Tu es entré par quelle porte? Through which gate did you enter? Par la vraie porte. Through the genuine gate. Vous savez ce qui se passe? You know what's going on? Quand tu entres par cette porte, when you enter through that door, le sang de Jésus te couvre. The blood of Jesus covers you. On ne voit plus tes péchés. Your sins are no longer seen. Donc, si quelqu'un sort par la fenêtre, if somebody jumps in through the window, vous allez vous retrouver dans la même maison. You will find yourself in the same house. Toi, you, tes habits sont rouges du sang. Your garments are red of blood. Et lui, il est là avec ses habits sales, déchirés. And he is there with his rags and his filthy garments. Certains ont même les excréments sur eux. Even some have excrements on them. Ça veut dire qu'ils ne sont pas passés par la porte qui sanctifie. That is, they did not enter through the gates that sanctifies. Ils ont escaladé quelque part. They jumped in somewhere. Le maître de la maison, the master of the house, viendra les chasser. Will come and cast them pour out. Être sûr, for you to be sure, que si tu meurs, that if you die, tu vas aller au ciel. You go to heaven. Il faut donner la vie à Jésus. You must give your life to Jesus. Le sang de Jésus sera sur toi. The blood of Jesus will be upon quelqu'un you. A rendu témoignage. Somebody testified qu'il était oppressé. That he was oppressed. Il y a eu le sang de Jésus. And the blood of Jesus. Le démon a fui. And the demon fled. Si toi aussi tu veux dire le sang de Jésus, if you also want to say the blood of Jesus, tu as les excréments sur toi. You have excrements on you. Tu dis le sang de Jésus. You say the blood of Jesus. Il n'y aura rien. There will be nothing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu crois en Jésus, if you believe in Jesus, tu passes par Jésus, you enter through Jesus, tu auras des vêtements blancs. You will have white garments. Lavé, purifié par le sang. Washed and purified by the blood. Tu auras des pâturages. You will have pastures. Tu auras le pain. You have bread. Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Lis Jean chapitre 10 verset 11. Read John chapter 10 verse 11. Jean chapitre 10 verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Amen. Je suis le bon berger. I am the good shepherd. Je suis le bon berger. I am the good shepherd. Je suis le bon berger. I'm the good shepherd. Le bon berger. The good shepherd donne sa vie gives his life pour ses brebis. For his sheep. Tu as quel âge? What's your age? As-tu déjà entendu qu'un marabout a donné sa vie pour un malade? Have you ever heard that a witch doctor has given his life for a sick person? Au contraire. On the contrary. Même si tu as 5 francs, il te dit donne. Even if you have 5 years, he said give. Tu lui dis tu n'as pas l'argent, il dit que quand tu auras, tu amènes. Prends l'engagement. If you say that if you have 5 francs, he will take it and he will tell you
even that you don't have money, say go. You take a commitment and bring it later. Il y a une expérience que je n'oublierai jamais. There's an experience that I will never forget. J'étais au lycée. I was in high school. Un pauvre élève. A poor student. Vraiment. Really. Vrai pauvre élève. Real poor student. Une idée m'est venue d'aller consulter le marabout. An idea came to my mind to go and consult the witch doctor. Et je suis allé. And I went. J'ai dit au marabout, je veux que tu me consultes. And I told him I want to be consulted. Il dit, donne-moi l'argent. Give me money. Je lui dis, je n'ai pas l'argent, je n'ai que 5,000. Il a dit, donne. He told me, give me money. I told him, I only have 5,000. And he took my... Sans pitié. 5,000, without mercy. Depuis ce jour-là. From that day on. J'avais compris que les marabouts, c'est des gens mauvais. I understood that the witch doctors are wicked people. Je ne pouvais pas imaginer qu'on peut prendre l'argent d'un pauvre élève. I could not imagine that I can take the money of a poor student. C'est pour cette raison que je lui ai dit avec assurance. Je crois qu'il allait dire que bon, non, il faut garder ça. That's why I spoke with him, to him with assurance. I thought he would have said, no, keep it. Il a dit, donne. He said, give. Il a pris. And he took it. Mais le bon berger, but a good shepherd, donne la vie, gives his life pour les brebis, for the sheep. Jésus de Nazareth, Jesus the Nazareth, lui te nourrit, he feeds you, il te bénit, he blesses you, il travaille pour toi, he works for you. Tu es malade, you are sick, tu l'invoques, qui te guérit, you call upon him, he heals you, you are bewitched, il te désenvoûte, he unbewitches you. Jésus Christ, Jesus Christ, le Fils de Dieu, the Son of God. Oui, acclamation à Jésus. Yes, clap offering to Jesus. Il donne la vie pour nous. He lays down his life for us. L'histoire de l'humanité reconnaît que Jésus est mort à la croix pour les pécheurs. The history of humanity acknowledges that Jesus died on the cross for the sinners. Même les païens le savent. Even the unbelievers know it. Jésus est le bon berger. Jesus is the good shepherd. Il est le bon berger. He's the good shepherd. Il est le bon berger. He's the good shepherd. Il marche devant toi. He walks before you. Il te dit, suis-moi. He tells you, follow me. Suis-moi. Follow me. Et il a dit dans les psaumes. He said in Psalms. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. I'll show you the way you must follow. Jésus Christ. Jesus Christ. Le Fils de Dieu. The Son of God. Il dit, he says, si tu ne crois pas ce que je suis, don't believe what I am, si tu ne crois pas ce que je don't suis, believe what I am, tu vas mourir dans tes péchés. You will die in your sins. Tu vas pratiquer la religion. You will practice religion. Et tu vas mourir dans la religion. And die in religion. Pour rien. For nothing. Au jour du jugement, on the day of judgment, tu te retrouveras dans le lac de feu. You find yourself in the lake of fire. Dans le lac de feu. In the lake of fire. Pourquoi? Why? Tu as voulu chercher Dieu. Because you decided to seek God. Sans suivre le bon berger. Without following the good shepherd. Qui est Jésus Christ. Who is Jesus Christ? Lisez Jean 11, verset 25. Read James. Jean 11, 25. John 11, 25. Jean. John 11, 25. Jean, chapitre 11, le verset 25. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Amen. John chapter 11, verse 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they died. Amen. 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 Jésus Jesus est la résurrection is the resurrection et la vie. And life. Même si tu meurs, even if you die, il va te ressusciter. He will rise you au up. Dernier jour, on the last day, tous les enfants de Dieu all the children of God vont ressusciter will resurrect pour entrer au ciel avec lui. To enter heaven with him. Ceux qui sont vivants those who are alive seront transformés en un clin d'œil. Will be transformed in a twinkling of an eye. Ils vont monter au ciel à la rencontre du Seigneur Jésus. And they go to je suis la résurrection et la vie. Quand tu donnes ta vie, la vie à Jésus, when you give your life to Jesus, tu passes de la mort à la vie. You go from death to life. Tu pars de la mort à la vie. You go from death to life. Et tu n'es plus le même. And you are no longer the same. Et tu n'es plus le même. You are no longer the same. Jésus Christ. Jesus Christ. Le Fils de Dieu. The Son of God. Il est la résurrection. He is the resurrection. Il est la vie. He is the life. C'est-à-dire même si tu es mort, that is, even if you are dead, il te ressuscite. He will raise même, you from même the dead. Ses disciples, même ses enfants qu'il a laissés. His disciples, his children that he left, et ressuscite les morts.
They even raise, they resurrect the dead. Pour nous, for us, ce n'est plus les histoires de l'époque d'Hérode. This is not a story of the time of Herod ou de Pilate. Or Pilate. Nous voyons ces choses de nos jours. We see those things. Hallelujah. In our days. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Avec le cri de victoire. We shout of victory. Jean 14, verset 6. John 14, verse 10. Jean 14, verset 6. Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. John 14, verse 6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Jésus-Christ est le chemin. Jesus Christ is the way. Jésus-Christ est la vérité. He is the truth. Jésus est la vie. And he is the life. Pour aller au Père, for you to go to the Father, il faut qu'il t'accompagne. He must go with you. Si Jésus dit à son père, if Jesus tells his father, qu'il ne te connaît pas, that he doesn't know you, tu es mort. You are dead. You are dead. Il a dit, he said, au jour du jugement, on judgment day, beaucoup de personnes vont aller réclamer le salut. Many people will go and claim salvation. Elles vont dire, they will say, Seigneur, Lord, mon nom n'est pas dans ton livre. My name is not in your book. Et je dois aller dans le lac de feu. And I will go into the lake of fire. Pourtant, yet, j'ai prêché aussi. I also preached. Je prêchais, je disais aux gens que tu es le fils de Dieu. I preached and I told people that you are the son of God. J'ai donné à manger aux gens. I gave food to people. J'allais à l'église. I went to church. J'ai même chassé les démons. I even cast out demons. Jésus va leur dire. Jesus will tell them. Et l'autre va dire, j'ai prophétisé. Even others will say, I prophesied. Jésus va dire. Jesus will tell them. Je ne vous ai jamais connu. I've never known you. Je connais les gens qui m'ont reçu. I know the people, those who received me. Je connais les gens qui avaient cru en moi. I know the people who believed in me. Je connais les gens qui obéissaient à ce que je leur demandais de faire. I know the ones who obeyed what I told them to do. Toi, tu vivais dans le péché. You were living in sin. Tu vivais dans le péché. You were living in sin. Cher ami. Dear friend. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. C'est le péché qui est le problème de l'homme. It is sin that is the problem of man. Si l'homme veut revenir à Dieu, if man wants to come back to God, il doit abandonner le péché. He must abandon sin. L'homme était heureux. Man was happy. Dans le jardin d'Éden. In the garden of Eden. Il avait tout. He had all. Tout ce qu'il faut manger, il avait ça. All that is needed for food, il avait une communion conjugale parfaite. And he had a marital. Avec sa femme, il n'y avait aucun problème. A marital communion fellowship with his wife, there was no problem. Jusqu'au jour, till the day, où le diable leur a demandé de commettre le péché de la désobéissance. When the devil told them to disobey. Il leur a dit, mais mangez de ce fruit, ne craignez pas. But eat of this fruit, do not fear. Dieu vous trompe. God is deceiving you. Ce jour-là, that day, Eve devait dire. Eve was to say, que non, Dieu nous a dit de ne pas toucher. No, that, no. God told us not to touch it. Que Dieu est bon. And God is good. Il n'est pas mauvais. He's not evil. Et ils allaient remporter la victoire. And they would have prevailed. Elle a cru. She believed. Qu'en mangeant. That by eating. Ils allaient devenir intelligents. They would have become intelligent. Et elle a mangé. And they ate it. Elle a donné à son mari. She gave it to her husband. Tu sais. You know. Jeune fille. Ou petit enfant. Young lady or young child. Je ne sais pas ce que vos camarades vous disent à l'école. I don't know what your friends tell you at school. Si tu écoutes les conseils d'un petit sorcier.
If you listen the advice of a young sorcerer, tu vas périr. You will perish. Quand un enfant te dit, allons voler. When a child tells you, let us go to steal. On aura l'argent. We have money. Et on va boire le bisap. And we'll drink sorrel juice. Dis non, non, non. Say no, no, no. Dis si je pêche. Say if I sin, je vais aller à l'enfer. I will go to hell. Chaque tentation a une promesse malsaine. Every temptation has an evil promise. C'est ce que la Bible appelle la séduction du péché. This is what the Bible calls seduction of sin. Il y a quelque chose qui dit ce n'est pas grave. Something tells you it's not serious. Quand tu es tenté par l'alcool, when you are tempted by alcohol, il y a des sensations dans ta gorge. There are some sensations in your throat. Ces sensations sont réelles. These sensations are real. Et quelque chose te dit, and something tells you, l'alcool va calmer ça. Alcohol will cool it down. Va boire. Go and drink. Il faut dire non, non, non. You must say no, 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 no. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quelque chose te dit, va commettre l'adultère. Something tells you, go and commit adultery. Dans ton intelligence, tu sens la joie qui est dedans. In your mind, you feel the joy that is in it. Le péché s'accompagne d'une séduction. Sin is followed by a deceit. Dès que tu commets, as soon as you commit it, tu es séparé de Dieu. You are separated from Jesus. Jésus va leur dire, Jesus will tell them, vous avez prêché. They preached to you. Vous avez prophétisé. You preached and you prophesied. Certains utilisaient le python. Some were using, d'autres utilisaient les esprits de mort. Used python and the spirit of death. Mais il fallait que Jésus accepte ces dons mauvais. But they want Jesus to accept these evil gifts. D'autres mentaient même. D'autres mentaient. Les prophéties, c'est le mensonge. Others were lying. Their prophecies were lies. Dieu te dit de me donner ta maison. God tells you to give me your house. Il y a un apôtre. There's an apostle. Qui avait cru. Who believed. Et il a fait sa repentance authentiquement. And he repented genuinely. Il a accepté le baptême. He accepted the baptism. Et nous avons brisé ses liens. And we broke his evil ties. Il nous disait qu'il était dans le milieu des faux prophètes. He taught us that he was in the environment of false prophets. Un jour, one day, un jeune faux prophète est entré chez lui. A young false prophet entered his house. Il dit, je veux boire le café, donne-moi le café. He said, I want to drink coffee, give me coffee. Il a dit au jeune homme, je n'ai pas d'argent, je n'ai que 10 000 francs. He told the young man, I don't have money, I only have 10,000. Le jeune homme lui a dit, suis-moi. And the young man told him, follow me. Ils se sont assis quelque part. They sat somewhere. Ils ont dépensé les 10 000 francs au petit déjeuner rapidement. And they spent the 10,000 at the breakfast very quickly. Et le jeune homme lui a dit, suis-moi. And the young man told him, follow me. Ils sont entrés chez une dame. They went to a woman's house. Le jeune homme dit, the young man said, Dieu dit, God says, signe un chèque de 50 000 à mon serviteur. Sign a check of 50,000 to my servant. Et la dame a pris le bic. And the woman took the pen. Chèque de 50 000. And signed the check of 50,000. Il a donné à l'apôtre qui avait dépensé 10 000. And he gave to the apostle who spent 10,000. Il dit à l'apôtre que c'est comme ça qu'on fait. And he told the apostle, this is how we do. Jésus lui dira, Jesus, je ne t'ai jamais connu. I have never known you. Ouvrier du péché. Workers of iniquity. C'est ce que Jésus dit. This is what Jesus says. Jésus est le chemin, Jesus is the way, la vérité, the truth, et la vie. And the life. Pour aller au ciel, to go to heaven, on passe par Jésus. You enter through pour Jesus. Voir le Père, on passe par Jésus. To see the Father, you enter through Jesus. Sinon,
Otherwise, tu vas faire beaucoup de choses. You will do a lot of things. Tu dis à Jésus, j'avais signé un chèque de 50 000 à ton serviteur. And he said, I signed a check of 50,000 to your servant. Je parle à la manière des hommes. I'm speaking in the ways of men. Jésus pourra te dire. Jesus will tell you. Regarde dans la salle, s'il est là, tu l'appelles. Look in the room, if he's there, you call him. Tu cherches la personne à qui tu avais signé un chèque de 50 000. You seek the person to whom you signed a check of 50,000. Quand tu regardes derrière toi. When you look back, lui-même est là en train de trembler. He's there, even trembling. Parce que son tour de jugement arrive. Because his time of judgment is coming. Je suis le chemin. I am the way. La vérité. The truth. Et la vie. And the life. Tu n'as pas besoin de payer quelque chose. You don't need to pay something. Donne seulement ta vie à Jésus. Just give your life to tu Jesus. Tu deviens enfant de Dieu gratuitement. You become a child of God free of charge. Vous savez. You know, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. He said, you received freely, give freely. Je suis le chemin. I am the way. La vérité. The truth. Et la vie. And the life. Jésus veut que tu croies. Jesus wants you to believe. Qu'il est ton chemin. That he is your way. Et si tu ne crois pas ce que je suis. He said, if you don't believe what I am. Tu vas périr. You'll perish. Et il a pris le temps. And he took his time. Pour dire qui il est. To say who he is. Afin que personne ne dise un jour. So that no one will say one day. Que je ne savais pas. I didn't know. Et si tu dis à Jésus que tu ne savais pas. If you tell Jesus I didn't know. Il te dira que j'ai parlé de moi-même. He said I spoke about myself. J'ai bien expliqué. I explained it well. Si je vous en parle aujourd'hui. If I'm speaking, I'm. C'est parce que. C'est dans la Bible. If I'm telling you this today, it's because it's written in the Bible. Et comme Dieu t'aime. And as God loves you, si tu ne savais pas, if you didn't know, maintenant tu sais déjà. Now you know. Et c'est pour cette raison it's for that reason qu'il a envoyé un de ses enfants t'inviter. That he sent one of his children to invite you. Jean 15, verset 1. John 15, verse 1. Jean, chapitre 15, le verset 1. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Amen. Amen. John chapter 15 verse 1. I am the true vine and my father is the gardener. Amen. Il est le cep. He is the vine. Si tu es attaché à lui, si tu es une branche. If you are a branch, you are bound to him. Tu vas nécessairement ou automatiquement porter du fruit. You will necessarily bear fruit. Le vrai cep. The true vine fait toujours produire. Always produces, makes. Tu ne seras pas stérile spirituellement. You will not be spiritually barren. Il dit celui qui demeure en lui. He says that the one that abides in him porte beaucoup de fruits. Bears a lot of fruit. Les vrais enfants de Dieu. The genuine children of God. Porte du fruit. Bear fruit. Le fruit dans le caractère. The fruit in the character. Les fruits dans le témoignage évangélique. And the fruit in evangelistic testimony. Le fruit de la communion fraternelle. And the fruit of brotherly fellowship. Les vrais enfants de Dieu. The true children of God. Savent demeurer ensemble. Knows how to remain together. Ils sont ensemble. They are together. Pas de querelle, pas de division. No quarrel, no division. Parce qu'ils sont attachés aux vrais cèpes. Because they are bound to the genuine vine. Ils sont vivants. They are alive. Quand tu n'es pas attaché au vrai cèpe. When you are not bound to the true tu deviens vine, sec, sec, on te brûle. You become dry and you are burnt. Jésus Christ. Jesus Christ. Il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. He said without me you can do nothing. Je suis le vrai cèpe. I am the genuine vine. Si quelqu'un demeure en moi, if somebody abides in me, il portera beaucoup de fruits. He shall bear a lot of fruit. Et le Père va l'aimer. And the Father will love him. Le Père va l'émonder. The Father. Le Père va prendre soin de lui, comme on prend soin d'une plante qui porte du fruit. The Father will prune him and will take care of him as we take care of the fruit. Cher ami, dear friend, est-ce que tu es prêt? Are you ready? Accepter ce Jésus. To accept that Jesus. Ou bien tu préfères rester dans ton péché. Or you prefer remaining in your sin. Après tu vas mentir que tu es chrétien. And after you will lie that you are a Christian. Si tu veux changer. If you want to change. C'est le jour. Now is the où day. Tu dois décider. That God has decided. Que tu quittes le mensonge. That you leave
Voici le jour that you abandon life. Où it's tu the dois day accepter that you should accept ce que tu n'as jamais voulu accepter. What you have never wanted to accept. Chaque fois qu'on te présente Jésus, every time you, the, Jesus is presented to you, tu écoutes, you listen, mais devant le péché, but before sin, tu renonces. You renounce. Jésus t'appelle maintenant. Jesus is calling you il now. Dit, tu vas me refuser. He said, are you going to refuse à cause me de la cigarette? Because of cigarette? Ne commets pas cette erreur. Do not make that mistake. Tu veux me refuser? You want to refuse me? À cause de l'immoralité. Of, because of immorality. Immorality sexuelle. Sexual immorality. Ne commets pas cette erreur. Do not that, make that mistake. Et je suis le chemin. He said, I'm the way. Je suis la vérité. I am the truth. Je suis la vie. I am the life. Il dit, je suis la porte. He says, I'm the gate. Je suis le pain de vie. I am the bread of ce life. Que tu cherches, that which you are seeking. J'ai ça. I have it. Il va te donner. And he will give you. Il est mort à la croix pour he ça. He died on the cross for that. Jésus t'appelle. Jesus is calling il dit, you. Je peux t'aider. He said, I can help you. Je peux t'aider. I can help you. Je suis le bon berger. I am the good shepherd. Et le berger nourrit ses brebis. He says that the shepherd feeds his sheep. Il va te nourrir. He will feed you. Et dit, ne me fuis pas. Do not flee et from si me. Tu ne crois pas ce que je suis. If you don't believe what I am. Si tu ne crois pas ce que je suis pour toi. If you don't believe what I am for si you. Tu doutes, if you doubt. Que, si tu doutes. If you doubt. Tu ne crois pas que je peux t'aider. You don't believe I can help you. Tu vas mourir, you will die dans tes péchés, in your sins. Et au jour du jugement, on judgment day, tu vas dans le lac de feu. You'll go to the lake of fire. Jésus t'appelle à lui. Jesus is calling il t'appelle you à lui. He's calling you to il him. Dit, si tu ne crois pas ce que je suis, he says, if you don't believe si what tu I ne am, crois pas ce que je if suis, you don't believe what I am, tu vas périr. You'll perish. Et il prend le temps. And he takes the time. Il prend le temps. Takes the time. Il t'explique qui il est. He explains who il t'explique he is. Qui il est. He explains you who he is. Beaucoup de personnes many people t'ont certainement parlé de lui. Surely talk to you about Jesus. Mais ce jour-là, but that day, tu as fermé le cœur. You blocked your et Jésus heart. Revient aujourd'hui. Jesus is coming today. Il dit, je suis à la porte et je frappe. He said, I am at the gate. Je suis à la porte et je frappe. I'm the gate. I'm si knocking. Si tu entends ma voix, if you hear my voice, si tu entends ma voix, if you hear my voice, si tu ouvres la porte, if you open the door, je vais entrer chez toi. I will enter. Je vais souper avec toi. And I will dine with you. Et nous allons causer. And we are going to chat. Tu pourras parler de tes problèmes. You will be able to speak about your problems. C'est là où la prière devient une activité vivante. This is where prayer becomes. Quand tu es avec Jésus chez toi. A vivid activity you have. Et que vous soupez ensemble. You are with Jesus in your home. Dire, j'ai mal la tête. And you dine together. You can say, oh Lord, I have a headache. Tout seulement et tu it just touches you and you il are est entré chez Pierre. He enters Peter's house. La belle-mère de Pierre était couchée. The mother-in-law of Peter was lying elle avait down. La fièvre. She had fever. Jésus l'a guéri. Jesus healed elle her. S'est levée pour aller servir. She got up to go and serve Jesus. Jésus, quand Jésus entre chez toi, when Jesus enters il your ne house, pas te laisser dans tes problèmes. He will not leave you in your troubles. Il est vivant. He's alive. Il est réel. He's real. Il est réel. He is real. Et il est vrai. And he's il t'appelle à lui. He's calling you to him. Si tu veux, if you want, si tu veux venir, if you want to come, si tu es décidé, if you are decided, lève seulement la main comme just ça. Just raise your hand. Lève ta main. Raise your hand. Oui, levez les mains. Je veux voir vos mains levées. I want to see your hands up. Si tu veux Jésus chez toi. If you want Jesus. Oui, levez-vous. Vous venez me trouver ici. Rise up, stand up, and come and find me here. Lève-toi. Ne regarde pas à gauche à droite. Vous n'êtes pas beaucoup. Donc, si tu regardes à gauche à droite, tu vas perdre. Do not look left and right. Stand up and come here. Lève-toi. Tu viens. Lève-toi promptement. Stand up. Acclamez. Quickly and come. Clap. Où est la main que j'ai vue là? Oui, viens. Where is the hand that I saw? Yes, come. Acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, lève-toi et viens. Venez. Yes, stand up and come. Rapidement. Quickly. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Où sont les mains que j'ai vues ici? Where are the hands that I saw here? Est-ce qu'un démon est passé vous dit de ne pas venir? Has a demon passed by and tell you not to come? Qui avait levé la main ici? Who raised his hand here? Qui a levé la main ici?
who raised. Tu sais pourquoi j'insiste? Do you know why I'm insisting? Ça, ce n'est pas le lieu où on ment. This is not a place where we lie. Et tu peux encore mentir dans ta chambre, mais venir mentir ici, you can, c'est you chercher, can be in c'est your créer bedroom. Des problèmes. Il y avait des mains ici, là. There was a hand here. You can be in your bedroom and lie, but coming to lie here. Ou bien, n'est-ce pas, il y avait une main ici. I saw a hand here. Qui avait levé la main? Who raised this hand? J'ai dit, qui veut donner la vie à Jésus? Qui avait levé la main? I said, who wants to give his life to Jesus? Who raised his hand? Non. Toi, tu as déjà donné ta vie, non? On t'a baptisé. Où? À Boisflay. Qui est ton faiseur de disciples? Elle dit que... On lui parle de lui-même. Il parle de lui-même. Non, je cherchais la personne qui avait levé la main. Mais c'était toi. C'était pas ici qui avait la main. Est-ce que tu étais sale? Non, j'ai demandé. J'étais là-bas, j'ai vu les mains là. Non, ce n'était pas sa main. La main là était, les mains étaient à ce niveau. Quand j'étais là-bas, j'ai vu une main ici, des mains, ou bien deux mains. C'était ici. Parce que si je pars, ce n'est pas bien pour toi. Because if I go, it's not good for you. Qui a levé la main ici? Who raised his hand here? Vous savez, Jésus demandait qui m'a touché. Il y avait une femme qui l'avait touché. He said, no, Jesus was asking who touched me, and there was a woman who touched him. Qui avait levé la main ici? Who raised his hand here? Qui a levé la main ici? Who raised his hand here? Qui n'a pas encore Jésus, mais il a levé la main. Et... Who doesn't have Jesus yet and he raised his hand? Qui connaît quelqu'un qui a levé la main et il a honte maintenant? Who knows somebody who raised his hand? Il faut l'aider parce qu'on va prier qu'elle soit pardonnée. Help him because you are going to pray for him to be forgiven. Do not joke. C'était qui? Who was it? Oui. C'était qui? Dieu a un plan pour toi. God has faut a plan. Faut pas t'amuser. Do not joke. Je me tiens à la porte et je frappe. I stand at the gate and I knock. Si quelqu'un ouvre, if somebody opens, je vais entrer chez lui. I will enter him. Si tu es rétrograde, if you are backslider, lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi rapidement. Stand up speedily. Oui, normalement les rétrogrades, dès qu'ils entendent qui est rétro, ils commencent déjà à venir parce que on ne les supplie plus. C'est des enfants de Dieu égarés. Normally, et le diable se moque d'eux. Normally, the backslider, when they hear backslide, they just stand up and Michel, come. Michel a dit, mon ennemi.
Michel said, my enemy, ne te réjouis pas mon sujet. Do not rejoice about me. Si je suis tombé, je vais me relever. If I have fallen down, I'll rise up. Si je suis assis dans les ténèbres, if I'm sitting in darkness, l'Éternel va m'éclairer. The Lord will enlighten. Et tu te lèves. And you stand up. Et le diable arrête sa fête. And the devil is going to stop his feast. Il arrête sa fête. He will stop his banquet. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclamons très fort. Let us clap loudly. Si tu es un enfant de Dieu, lève la main. If you are a child of God, raise a hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous arrachons des mains du diable. We snatch from the hands of the devil. Toute personne. Every person. Qui est en train d'hésiter. Who is hesitating? Toute personne. Every person. Que les démons sont en train de retenir. That the demon has. Nous jugeons. We judge. Nous brisons les chaînes. We break the chains. Nous l'arrachons. We snatch him. Nous l'arrachons des mains des démons. We snatch him from the hand of the enemy. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Lève-toi et viens. Acclamez pour Jésus. Clap for Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. C'est une bataille. Le diable veut te garder. It's a battle. The devil wants to keep you. Mais Jésus t'appelle. But Jesus is calling you. Le diable veut te garder. The devil wants to keep you. Mais Jésus t'appelle. But Jesus is calling you. Lève-toi et viens. Stand up and come. 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 Oui, venez. Yes, come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Quand je vais arrêter, le Saint-Esprit me dit, attends encore. When I want to stop, the Holy Spirit tells me, wait. C'est à cause de qui? À cause de toi. Because of whom? Because of you. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Satan, va-t'en vite. Satan, depart quickly. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Si, lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Oui, acclamez. Yes, clap. Satan, va-t'en au nom de Jésus. Satan, depart in the name of Jesus. Tu n'as personne ici. You have nobody here. Tu n'as personne ici. You have nobody here. Il y a encore une personne. There's still one person. Une personne. One person. Une personne. One person. Lis Osée 13, verset 9. Read Osée 13, verse 9. Osée, chapitre 13, le verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël,
c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Amen. Amen. Hosea chapter 13, verse 9. You have destroyed Israel because you are against me, against your helper. Amen. Qu'est-ce que dit ce passage? What does this passage reveal? Vous savez, il y a des gens qui viennent pour prier. You know, there are people who come to pray. C'est bien. It's good. Quand ils arrivent, when they come, on leur montre ce que Dieu demande. We show them what God requires from them. Jésus vient de dire, Jesus has just said, qu'il faut croire en lui, that you must believe in him, et le suivre, and follow him. Jésus veut qu'on croie en lui. Jesus wants that we believe in him, et qu'on le suive, and that we follow him. Que si tu mentais, tu arrêtes. That if you used to lie, you stop it. Si tu vivais dans l'adultère, tu arrêtes. If you used to live in adultery, stop it. Si tu vis dans le concubinage, tu arrêtes. If you used to live in concubinage, you stop. Si tu vis dans les querelles, tu arrêtes. If you live in quarrels, you stop. Si tu vis dans le désordre, tu arrêtes. If you live in disorder, you stop. Mais, but, quand on veut donner Jésus à celui qui est venu prier, when we want to give Jesus to the one who came to pray, il refuse Jésus. He refuses Jesus. Mais il veut la bénédiction. But he wants blessing. Tu refuses Jésus. You refuse Jesus. Et tu veux la bénédiction. And you want blessing. Lis ce que la parole dit. Read that which the word says. Ce qui cause ta ruine. Ce qui va causer ta ruine. That which causes your ruin. Israël. Israël, mon ami, mon frère, mon my fils. My friend, my brother, my son. C'est que tu as été contre moi. C'est que tu n'aimes pas Jésus. Is that you don't love Jesus. Tu ne veux pas Jésus dans ta vie, mais tu veux être béni par Dieu. You don't want Jesus in your life, but you want to be blessed by God. C'est ça qui va causer ta ruine. This is what will cause your destruction. Peut-être que tu es malade. Maybe you are sick. Tu as peur de la mort. You fear death. Mais ta maladie. But your disease. Ce n'est pas d'elle que la mort va venir. It's not death will not come from the disease. La mort viendra de ton refus d'accepter Jésus. Death will come from your refusal. Parce que c'est lui qui peut te délivrer. Because he's the only one who can deliver you. Et tu le laisses dehors. And you leave him outside. Il frappe à ta porte. He knocks at your door. Tu sais. You know. Tu n'ouvres pas. And you don't open. Parce que tu aimes le péché. Because you love sin. Mais tu veux être béni. But you want to be blessed. Mais tu aimes ton péché. And you love your sin. Si Jésus te guérit. If Jesus heals you, tu vas aller célébrer le diable avec. You will go to celebrate or serve. Et Jésus dit, devil. C'est Jesus ça says, qui cause ta ruine. This is what cause your destruction. Si c'est la maladie, if it is Jésus disease, peut te guérir. Jesus can heal you. Mais ton problème, but your problem, c'est que tu veux qu'il te guérisse sans venir chez toi. Is that you want him to heal you without going to him. Le diable est installé chez toi. The devil has got to stay with you. Il jouit de tous les services. And he's rejoicing from all the services. Mais tu veux que Dieu te délivre. And you want God to deliver you. Il a dit à travers le prophète Jérémie. He said through the prophet Jeremiah. Vous dites au bois, tu es mon père. You tell the wood, you are my father. Et à la pierre, c'est toi qui m'as créé. And to the stone, you are the one who created me. Et quand vous êtes dans les problèmes, and then when you're in trouble, vous criez à moi. You cry out to me. Oh Dieu, sauve-nous. Oh God, save us. Si c'est pour adorer, if it is to worship, on adore la pierre, le bois. You worship the wood, the water, the stone. Mais quand on est coincé, but when you are blocked, que les méchants esprits te troublent toute la nuit, and the wicked spirit troubles you in the night, le célibat et les maris de nuit, celibacy and the spirit husband, la pauvreté, poverty, et les maladies, and diseases, tu dis Seigneur sauve-moi. You say, oh Lord save me. Pour l'adorer. To worship him, tu ne veux pas. You don't want. Mais tu veux qu'il te sauve. And you want him to save you. Et c'est ça qui cause ta ruine. This is what causes your c'est destruction. Ça qui sera ton vrai problème. This will be your real problem. C'est ça ton vrai problème. This is your real problem. Nous allons prier maintenant. We are now going to pray. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui arrive? Is there one last person coming? Acclamation, Jésus. Clap offering.
suis ton bois, tu es mon père, tu as la pierre, c'est toi qui m'as créé. You tell the wood that you are my father to the stone, you are the one who created me. Et quand vous avez des problèmes, when you are in trouble, vous dites, you say, oh Dieu, oh God, sauve-nous. Save us. Où est la pierre? Where is the stone? Où est le bois? Where is the wood? Où est la tortue? Where is the tortoise? Où est le caïman? Where is the caiman? Où est le crocodile? Where is the crocodile? Où est le python? Where is the python? Et les autres? And the others. Acclamez. Clap. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Sauve-toi. Save yourself. En donnant ta vie à Jésus. By giving your life. Sauve-toi. Save yourself. En donnant ta vie à Jésus. By giving your life to Jesus. Sauve-toi. Save yourself. En donnant ta vie à By Jésus. By giving your life to Jesus. Dans 5 minutes. Within 5 minutes. On va prier pour eux. We pray for them. Si tu veux venir, viens maintenant. If you want to come, come right now. Dans 5 minutes. Within 5 minutes. Nous allons prier pour eux. We are going to pray for them. Si tu veux venir. If you want to come. Viens maintenant. Acclamez. Come now. Clap. Dans 5 minutes. Within 5 minutes. Nous allons prier. We pray. Le Saint-Esprit te parle. The Holy Spirit is speaking to you. Dans 4 minutes. Within 4 minutes. Within 4 minutes, pour que tu décides, for you to decide. Peut-être tu penses que Dieu ne te voit pas. Maybe you think God doesn't see you. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, acclamez, ces enfants sont des vaillants. Yes, clap for these children. Trois minutes. 3 minutes. Quelqu'un me disait qu'il avait saisi la chaise. Somebody, pour ne pas répondre à l'appel, il a saisi la chaise fortement. Somebody was telling me that he laid hold of the chair strongly because he didn't want to stand up. Si tu as attrapé la chaise, te détache de la chaise. If you have caught the chair, I untie you, release you from the chair. Comme tu veux un miracle avant de croire. As you want a miracle before you believe. Détache de la chaise. I untie you from the chair. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Détache de la chaise. Untied from the chair. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamez plus fort. Clap loud, louder. Detached de la chaise. Detached from the chair. Detached de la chaise. Detached from the chair. Comme tu veux un miracle. As you want a miracle. Avant de croire. Before you believe. Je t'arrache de la chaise. I snatch you from the chair. Et tu diras dans ton témoignage. And you say in your testimony. Le pasteur m'avait arraché de la chaise. The pastor snatched me from the chair. Je t'arrache de la chaise. Snatched you from the chair. Viens. Come. 2 minutes. 2 minutes. Une minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute.
Une minute. 1 minute. Acclamez. Clap. Tenez-vous debout. Stand up. On commence la prière. We are starting prayer. Tenez-vous debout. Vous qui êtes assis. You who are sitting. Élevez vos mains. And raise your hands. Et vous allez prier à haute voix. And you are going to pray loudly. Dites Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je crois. I believe. Que c'est lui qui vient à toi. That is the one who is coming to you. Reçois la vie éternelle. Receive. That the one who comes to you receives. Je crois. Eternal life. I believe. Que tu donnes la vie éternelle. That you give eternal life. À quiconque te donne sa vie. To anyone that gives you life. Prends-moi. Prends-moi. Take me. Lave tous mes péchés. Wash all my sins. Je ne veux plus recommencer. I will no longer continue. Je ne veux plus recommencer. I will not do it anymore. J'abandonne. I abandon. Mes péchés. My sins. Je me donne à toi. I give my life to you. Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Wash me, wash me, wash me. Écris mon nom dans le livre. Write my name in your book. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Dis Seigneur. Say Lord. Guéris-moi. Heal me. Je viens avec les maladies. I'm coming with diseases. Guéris-moi maintenant. Heal me now. 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 Oh Jésus. Oh Jesus. Oh Jésus. Oh Jesus. Je suis fatigué. I am tired. Je suis chargé. I am tired. Fatigué. Tired. Chargé. Loaded. Fatigué. Tired. Fatigué. Loaded. Fatigué. Tired. Fatigué. Tired. Fatigué. Tired. Ma tête. I stop. Ma tête. I stop. Mes bras. Mes pieds. My foot. Mon my coeur, head. Mon foie. My mes poumons. Liver. Yeah. My lung. Mes reins. My oh, kidneys. Oh, repare tout, repare tout. Oh, repair everything. Oh, les nerfs, les nerfs. My nerves. Mes genoux, mon dos. My oh Jésus, my knee, my back. Oh guéris-moi, Jesus, guéris-moi, guéris-moi. Heal me, heal me, heal me. Sépare-moi de toutes les malédictions de la famille. Separate me from all the curses of the family. Sépare-moi de toute sorcellerie. Separate me from each, de toute idolâtrie. From any idolatry and witchcraft. De toute idolâtrie. From any idolatry. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Asseyez-vous. Sit down. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus.